Bonjour à tous, ici le scientifique MathMovie qui vous parle. J'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, je vais répondre à 8 questions que l'on se pose à peu près tous sur le mode explosif plus plus. Si tu ne sais pas ce qu'est le mode explosif plus plus, je te conseille cette vidéo. A tout de suite. Et donc, on commence avec la première question. Est-ce qu'une TNT Rain peut tuer 20 creepers dans une sorte d'entonnoir comme ça? C'est la question que l'on se pose. À tout de suite. Ne vous inquiétez pas, c'est pour la science. Voilà, donc c'est parti. La TNT Rain, nous allons la poser juste ici. Nous allons voir si donc 20 creepers peuvent résister à un assaut de TNT Rain. C'est parti. Hop, attention. Attention. Boum. Mon tigre. Oh. Oh. Et c'est la mort. Et donc on continue avec la deuxième question. Est-ce qu'une explosion de creeper peut activer une TNT x20, une TNT x5, une Night TNT et une Day TNT? C'est la question que tout le monde se pose et je vais y répondre. Désolé mon ami, mais c'est encore pour la science. Attention, une explosion... Ah, oui, une explosion de creeper peut activer une Day TNT. Nous allons essayer donc avec la x20. Attention. Oui, une explosion de... Ah, ça accélère même le processus d'explosion. Ça peut donc activer une TNT x20. Nous allons voir pour la TNT x5. Oui, cela marche aussi. Et nous allons voir pour la TNT Night. Et ça marche aussi. Troisième question, est-ce qu'une explosion de C4 est égale à l'explosion d'un détonateur? C'est la question que tout le monde se pose et je vais y répondre. Je me mets en terrain plat pour essayer la C4. D'accord, cela fait un trou à peu près de comme ça. Et la détonateur. Oups. Ridicule, la détonateur n'arrive à peine pas à la cheville de la C4. Quatrième question que tout le monde se pose. Avec une TNT Sir Derpington, combien de cochons on spawn? C'est une question que tout le monde se pose et je vais y répondre maintenant. Je vais donc tester maintenant avec une Sir Paddington TNT. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cochons qui spawn. Regardons si cela donne le même résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cela donne donc 10 cochons. Cinquième question, combien de drill TNT faut-il pour trouver du diamant? C'est la question que tout le monde se pose et je vais y répondre. Je me mets donc dans le désert pour tester la première drill TNT. Nous en sommes donc à une. Voyons si nous trouvons du diamant. Oui, nous venons de trouver du diamant instantanément. Cette technique marche. Sixième question. Combien de sphères TNT faut-il pour égaler la puissance d'une hache TNT? C'est la question que tout le monde se pose et je vais y répondre maintenant. Je vais donc ici pour tester les dégâts de la hache TNT. Attention. Voilà, les dégâts se chargent, ça fait un énorme trou comme on peut le voir. Et nous allons voir combien de sphères TNT faut-il pour égaler ce trou. Nous pouvons déduire que si vous voulez créer un trou comme ceci, qui est à peu près de la largeur de la HTNT, il vous faudra 12 sphères TNT. Septième question, combien de blocs d'arc-en-ciel y a-t-il dans une Rainbow TNT? C'est la question que tout le monde se pose et je vais y répondre maintenant. Pour y répondre, je vais me mettre ici pour compter tous les blocs d'arc-en-ciel qu'il y aura au-dessus de cette map. Et c'est parti. Il y a donc 224 blocs d'arc-en-ciel dans le haut d'une Rainbow TNT. Et la dernière et huitième question que tout le monde se pose, est-ce que les dégâts d'une TNT x20 sont vraiment égaux à 4 TNT x5? C'est la question que tout le monde se pose et je vais y répondre maintenant. Voyons les dégâts d'une TNT x20. Voici les dégâts de la TNT et voyons les dégâts, il faudrait 4 TNT x5 pour égaliser cela. Nous allons voir cela. Première TNT x5.
Je vais mettre la deuxième dans le trou. La troisième. Et la quatrième. Voici le trou de 4 TNT x5 et voici le trou de la TNT x20. Nous pouvons voir qu'ils sont absolument pareils, donc on peut en déduire que la TNT x20 est bien égale à 4 TNT x5. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo de présentation de questions que l'on se pose tous, j'ai envie de dire, sur le mode explosif plus. J'espère que vous avez aimé, si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à mettre un masque de like. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Yo, pour la science.